Les investigations n'ont finalement rien donné de ce côté-là, après plusieurs jours de recherche sur les ordinateurs, tablettes et téléphones saisis lors des perquisitions au domicile de Pierre Palmade, à Paris et en Seine-et-Marne, les 19 et 20 février dernier, les enquêteurs n'ont retrouvé aucune image pédopornographique sur les appareils de l'humoriste, selon une information exclusive de BFM TV. Une nouvelle rassurante pour celui-ci, qui n'est cependant pas sorti d'affaire dans cette histoire. En effet, les policiers de la brigade des mineurs n'ont pas abandonné leur procédure pour le moment et continuent leurs investigations, attendant juste que Pierre Palmade soit suffisamment remis sur pied pour pouvoir être interrogé. Pour le moment, celui-ci, victime d'un AVC samedi dernier, est toujours hospitalisé mais ses jours ne sont plus en danger.